Je vous ai présenté l'outil Rambox pour gérer et ouvrir plusieurs instances Teams en même temps. Donc, vous avez ici le lien pour télécharger le petit logiciel. Vous allez avoir besoin des droits d'admin pour pouvoir l'installer. Une fois que c'est installé, vous allez arriver dans Rambox. Et là, vous allez pouvoir venir écrire, par exemple, si vous voulez ajouter une instance Teams, vous allez pouvoir cliquer « Renommer ». Et vous connectez à vos différents comptes Teams qui va faire un onglet par instance. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'on voit qu'il y a des notifications dans les différentes équipes, ce qui nous évite d'ouvrir et de fermer plusieurs navigateurs. Pour ajouter d'autres applications, par exemple, qui ne sont pas déjà là, vous pouvez utiliser le Custom Service. Vous allez voir, là, il y a plusieurs choix ici à l'intérieur. On circule avec les flèches, par exemple. Mettre Twitter, on voit que je n'ai pas le choix d'y aller par Custom Service. Je viens mettre le nom de mon onglet, l'URL, et l'URL, on met l'URL de l'image. Et ensuite, j'ajoute un service. Vous allez pouvoir les déplacer également là, pour que ça fonctionne bien dans votre ordre logique de travail. Et là, on peut voir que j'ai mes équipes, mes messages. Donc, je peux avoir les clavardages de plusieurs CSS en même temps. Et toutes mes équipes et tous mes comptes Outlook que j'utilise et que je consulte régulièrement.